Comment écrire du texte avec le logiciel de dessin LibreOffice Draw? Le logiciel Draw étant démarré, il existe au moins deux façons d'écrire du texte. La première façon consiste à écrire du texte avec l'outil texte que l'on trouve dans la barre d'outils supérieure ou éventuellement dans la barre d'outils de dessin. Je prends l'outil texte dans la barre d'outils supérieure. Je clique à l'endroit de la page où je souhaite écrire et je rédige mon texte. Si le texte n'est pas à la dimension que je souhaite, je vais le sélectionner. Puis, dans le volet latéral, je vais dans les propriétés. Et je vérifie que les propriétés actuellement actives sont bien les propriétés de caractère. Je puis ensuite modifier la taille du texte à la dimension que je veux, et je peux lui affecter toutes sortes de propriétés, y compris les couleurs. Ceci est la première façon de rédiger du texte. Une autre façon d'écrire du texte est d'utiliser les outils de dessin, par exemple un rectangle. Je vais dessiner un rectangle, puis je fais un double clic à l'intérieur du rectangle, et je rédige dans le rectangle. L'avantage est que le texte se centre parfaitement dans la forme dessinée. Si la taille du texte ne me convient pas, je sélectionne le texte, je retourne dans les propriétés de caractère, puis je change la taille. Ici, la taille est trop grande pour le rectangle dessiné, donc il va déborder. Si je suis un peu moins exigeant, cela tiendra dans le rectangle. Notez qu'il est toujours possible éventuellement de modifier la taille du rectangle a posteriori.